What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Comme vous avez vu dans le titre, ben je m'apprête à me péter la face. En avril dernier, j'ai fait une vidéo semblable parce qu'on était en lockdown, tout le monde était en quarantaine, on n'avait pas le droit de voir personne et moi j'habitais toute seule, fait que je m'étais dit, you know what, je vais prendre ça pompette, ça va être drôle, je me saoule toute seule et là, guess what, on est en octobre and we're back at it again. Un deuxième lockdown, fait que je me suis dit, écoute, en fait ça va devenir une tradition je crois, en espérant que la tradition finisse bientôt parce que je suis allée en tabarnak des lockdowns. Mais puisqu'on est dans un mois de quarantaine, ben écoute, m'a me saouler tout seul chez nous. Je suis en jogging pants, confortable chez nous. J'ai ma bouteille de Fireball et je vais m'ouvrir une petite bière. Comme vous avez vu dans le titre, c'est l'Halloween. Tellement ça l'Halloween. Mais là, je vais mixer Halloween et thème de ma chaîne. Ça veut dire Halloween et sexualité. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo de mes recettes pompettes, je vous laisse un lien dans la description. Mais la première recette que j'avais faite, c'était un gâteau. Je me suis dit que j'allais faire un deuxième gâteau. On va créer la vulve diabolique. Fait que, écoutez, je suis allée chez Dolorama puis je suis acheté plein de petites décorations parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je fais une vulve Frankenstein? Est-ce que je fais une vulve vampire? Une vulve araignée? I don't know. Fait que je vais aller avec l'inspiration du moment. Je suis allée m'acheter des petites décorations de même. Je me suis acheté un gâteau au chocolat parce que les gâteaux vanille sont plates en tabarnak. Mais Chris, c'est une recette pompette, fait que recette pompette dit pompette. Commence avec deux shots. Cheers! Des shots, je vire ses peines. C'est pas des jokes. Bon, elle m'en va me chercher une bière, j'en ai. Je suis crampée. Alors, la bière que nous allons déguster aujourd'hui s'appelle la crise existentielle. Je vous laisse ça de même. Je vous laisse ça. Hey, yo! Cheers! Ooh, that's good! I'm happy et sûr. En tout cas, je peux te confirmer, j'ai pas une crise existentielle par rapport à cette bière-là parce qu'elle va dans l'acier. Hey, j'ai assez hâte de créer une vulve. Like, it's gonna be so. It's gonna be so fun. Hey, ça sent tellement bon pour moi, je suis chouquette. Les recettes pompettes, normalement, c'est une étape, un shot. Mais on va se calmer une heure parce que je finirai jamais la vidéo. Ok! Ah, voyons quand! Là, ça dit une tasse, mais là, j'ai pas de tasse parce qu'ils sont pétés. On y va à l'œil, hein? Je suis un vrai cuistot! Ça me semble être une demi-tasse. On me mentirait si on disait le contraire. Ah, pourquoi je sens de l'huile, hein? Of course que si j'ai trois éléments dans mes mains, ben là, je vais jongler. Puis je suis pas encore assez saoul pour pas être capable de jongler. Fait que... Là, moi, je casse des oeufs à une main. Pensez-vous que je niaise avec la POC, je penserais pas. Non. Ah, si j'ai perdu une grosse écaille. Pas grave, regarde. C'est l'intention qui compte, la personne qui prendra l'écaille, ben, ça va être moi. Je vais bien redneck style, ok, avec la cuillère de bois. Qu'est-ce que je pourrais vous conter en attendant une petite story time? Oh my god, j'ai l'air d'une sorcière avec ma marmite, genre. Je pense que c'est l'heure de la chatte. C'est l'heure de la chatte. Parce que la fin, c'est du fireball. Je pense que ça donne plus mal au cœur parce que c'est sucré. Que parce qu'il y a de l'alcool, tu comprends? Non, hein? Je vais prendre une petite gorgée de bière parce qu'elle se passe plus ou moins là. Ooh, that is so fucking good! What the hell? Pourquoi je connaissais pas ça avant? Ben, en fait, je connais déjà le principe d'une crise existentielle, mais je parlais de la bière. J'ai plus de bras. C'est pour ça qu'ils disent de prendre un malaxeur, hein? Mais non, il faut toujours avoir sans faire. Fouetter vigoureusement. Pas mal ça, j'ai peur de me dire. La leçon à retirer tout ça. Si vous voulez faire une surprise de cuisine à vos chums blondes, parents, amis, contactez-moi pas. Mais là, vous pouvez pas voir. En plus, j'ai réaménagé ma cuisine pour la recette pompette, tu catches? Ooh, bitch! Ooh! Ooh! I wanna eat it right now, wa! Oh my god, can I taste it? That is so fucking good.
Quand vous buvez de l'alcool, c'est quoi la première partie du corps que vous le sentez? Quand j'étais jeune, ça me tombait direct dans les cuisses. Puis là, Chris, ça me tombe direct dans les pines. Il y a même un mot. OK. Recette dans le four, je reviens dans 30 minutes. Mais on continue à boire pour être encore plus seul quand je reviens. Tu catch? A few minutes later. Oh, ma grande n'aurait pas besoin de bronzage. On va tester ces gâteaux de craquer. Oh, it smells so good. Okay. Oh non. That is not ready. If that is a little longer than a few minutes later. Part 2. Oh, that's ready. Oh wow. Ow! Ce toast va à tous les queers de ce monde. Je vous aime. Vous êtes tous magnifiques. You're all valid. What? Just go be gay and have fun. Cheers. Je vais le décorer, ça va être plat. Ça va être parfait. Oh mon dieu, il y a trop d'affaires qui se passent. Je vais aller chercher une chaise, on va s'asseoir, on fait ça ensemble. Mais c'est pas évident tout ça, on va se le dire. C'est pas évident. Pour de vrai, on va se le dire qu'on s'en calisse les étapes du gâteau, mais la partie qui est fun, c'est taper le gâteau. Essayer de le décorer en fait. Shot, je suis pompette sur un nostitan. C'est rare qu'on crée des vulves en façon de cuisine. C'est rare. Ben ouais, un genre de verre. Ça pourrait être un accessoire mode, genre des lunettes, un téléphone, oui, allô, un chapeau, et un strap-on. I don't know. I don't know what I'm doing. Ok. Like, excuse me. Hey, je suis pas une bonne recette pompetteuse, là. Je suis là, je fais des étapes, je bois jamais de shot. Un moment donné. Faut que je sois à mon affaire. Est-ce que j'y goûte? Ah, il est tombé décevant! Non, non, c'est correct. Il n'y a pas encore l'écrémage, c'est pas encore une vulve. Of course, it's not good. Je regardais comment faire des détails, pis tout. Puis là, il disait qu'avec des ziplocs, avec des sacs, tu mets un peu de crémage dedans, puis tu as plus de contrôle sur qu'est-ce que tu veux dessiner. Fait que j'ai acheté des ziplocs. Achetez pas nécessairement des ziplocs parce que c'est pas full écologique, ok? Mais là, c'est pour un peu plus de vider. Quand je sens pas plus les jetons. Pourquoi j'aime autant le sucre? J'ai aussi acheté des pupitrises. Enfin, je me suis dit que la pupitrise. Je me suis dit que la pupitrise pourrait être le clitoris, mais vu la grosseur de notre vulve, peut-être que ça va être trop petit, mais c'est correct, je vais les manger on my own. I really don't mind. Ouh, j'adore cette texture. Le reste du crémage, ça va être pour faire comme les lèvres, etc. Fait qu'on y va dans le pink-ish color, ok? Mais comme je tiens à dire quand même que genre... Tu sais, oui, je le fais pink-ish, mais regarde, je me fie à mon propre vagin, ok? Chaque vulve et chaque vagin est différent, une différente pigmentation. Ça serait pas plus dire. J'aurais fait un drop de moins, genre. Oh bitch. Alors, consistance, pas très solide. Je dirais que c'est plus les côtés parce qu'ils sont pas très très durs. C'est plus ça qui est challengeant, mais garde, excuse-moi. Est-ce qu'un challenge m'a déjà fait peur? I don't think so. On va focuser sur l'avant, comme ça vous avez une meilleure vue.
du gâteau. Je finis elle et je m'ouvre une autre bière. Ici, on a une Saint-Ambroise à la citrouille. Y a-t-il une bière qui fait plus Halloween que ça? Oui, je penserais pas, non. Je penserais pas, non. Oh, fuck! Ça prend un autre bout! Oui, je fais partie de ces femmes qui aiment le pumpkin spice season. Mais si vous saviez à quel point je m'assume parce que j'adore tout ce qui est à la citrouille. But like, that shit is good. Ok, on essaie de faire du crémage dans le sac. J'ai mis deux pots, je pense que c'est encore plus foncé que tu n'y es. Si tu t'abarnaques, excuse-moi, est-ce que tu me naises? Ok. Là, dans le fond, le but, c'est que tu mets le crémage dans le sac. Puis après, tu vas couper le sac. Hey non, mais c'est parce qu'il faut que tu ouvres là, il faut que tu m'aides. Mon but, c'était pas de toucher mon bord! Genre le plus gros calice de feuilles de l'histoire de l'humanité. You know what? I don't care, because I'm drunk. Puis honestly, c'est l'hostie d'intention qui compte. Fait que si ça marche pas, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Rien. Je te dirais que sur une échelle de la 10, c'est quelque chose. Le but. Puis là, t'es prêt à faire les détails. Et le but, c'est de faire les grandes lèvres, les petites lèvres, puis le clitoris, ok? Les grandes lèvres, comme ça. Hey, tabarnak, ça le fait pas, là. Ça a pas l'air à leur tenter, là. On fait le trou du vagin. Et le clitoris qui est juste ici. I mean, that's kind of cool! Êtes-vous prêts? Je pourrais en mettre quelques-uns parce que il est pas proportionnel, je dirais. C'est plus représentatif? Je sais pas. Oh, tabarnak, il est où mon shooter? Oh, il est ça. Oh my god, je viens d'avoir une épiphanie. J'ai fait un araignée vulve. Une araignée vulve. Check bien ça. Oh my god! Oh my god! Get the fuck out! Il y a des yeux. Ok, il est là. Ok. On pense que le clitoris, c'est le nez. Fait du sens? Ok, on met les yeux de même, ok? On n'y est pas. J'irai avec une cicatrice comme ça. Ici. Ok, il y en a un autre. Fait écoute, ce qu'on doit savoir sur moi, c'est que je ne niaise pas avec la poque. Fait que, on va mettre la cicatrice de même. Bitch, I'm an artist. Moi, je veux des oreilles. Ouh! Il y a des oreilles draies là. Non, mais c'est ce que je voudrais que ce soit plus pointu. Je veux les oreilles de diable. Je m'en calisse les oreilles de chat, merde. Regarde, j'y vais proche de l'œil demain. Il y a des ailes! Impossible. Je te crois pas. Je te crois pas. Bitch, ça serait une araignée vagin volante. Ils sont bien là, tabarnak, comment ça? Oh, demain, demain. De même. What if? De Vulva Owner et dans sa semaine. Je pense que comme. Partout autour. Comme ça. Comme ça. Une vulve diabolique araignée d'Halloween. Excuse me. Ok, ok, là, regarde. Je recommande pas nécessairement. De refaire cette recette à la maison. Mais, et non. Mais j'ai tellement eu de plaisir.
Anyway, j'ai fait une fucking vulve pour l'Halloween. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Tout ce qui a rapport à la vulve. I kind of like it. So. Did I just make that? J'espère que si vous faites un recette pompette, vous allez me fucking taguer parce que moi je veux vous regarder, ok? Fait que cheers, you guys, darling. J'espère que vous allez apprécier la vidéo de cette semaine. Parce que moi j'ai apprécié en tabarnak parce qu'en lockdown, il n'y a pas grand chose à faire. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous autres, la gang. Puis si vous avez un 10 secondes, ben abonnez-vous à ma chaîne. Ça prend legit, en fait, même pas 10 secondes. Ça prend 2 secondes de vous abonner. Puis qu'est-ce que ça fait de ma journée? Bye, guys!